Hop là, bon bah rebonjour du coup. Comment ça se passe bien? Voilà, c'est Isabelle, salut. Dites-moi juste, c'est bon, c'est revenu la co, mais je pense que oui. Mais zut, ça a tout foiré mon intro du coup. Ça a tout foiré. Bon, alors a priori c'est reparti. Mais ouais, j'ai pas fait gaffe en fait que c'est crashé. Bon, on va faire comme si rien ne s'était passé. Donc bonsoir à tous, hein, 18e épisode de HS Splash, donc soyez Isabelle. Oh, j'ai fait une petite intro tout à l'heure, donc à retenir, c'est juste que c'était créé par Madman Games en 2013. C'est un jeu qui est sorti simultanément sur téléphone, tablette et PC. Et ça a l'air d'être une sacrée purge quand même. Voilà. Vous venez de gagner 15 minutes de jeu. Donc là en gros qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ici. Je suis arrivé là, il y avait une porte, on m'a dit il faut que tu trouves une clé, je suis allé là, et en fait j'ai trouvé la clé ici. On fait un petit tour du truc, donc il y a 6 stats. Force, Dex, Défense, Intelligence, Spirit, Luck. J'ai repassé en anglais parce que la trad des fers est juste catastrophique. Il y a un système de craft apparemment. Bon pour l'instant j'ai pas de recettes ni de composants. 3 actes dans le jeu. Donc la minimap qu'on peut mettre soit en plein milieu, soit sur les côtés, ou pas du tout. L'écran, l'affiche c'est de deux persos, donc avec différents éléments. Après on a quoi? On a les skills, donc très peu de skills hein, finalement, parce qu'après c'est des skills passives hein, pour... Bah j'imagine c'est pour que ça soit... Ah c'est pour crafter ça, d'accord. Là, ça va être des trucs pour avoir plus de points de. Voilà. Plus de vitalité, plus de spirit. Des shields, etc. Absolument pas. C'est où? Hein? Et voilà, donc là pour les compétences, donc il n'y a que ça en gros. Oh bah tiens, c'est rigolo là maintenant, il n'y a plus le fond. Tout à l'heure en fait, ça apparaissait pas le texte, maintenant c'est l'inverse. Ah, par contre, vous voyez, si je clique, je vais pouvoir faire apparaître le fond. C'est. Non, ouais. C'est bien fini le jeu. Bah, c'est cool, j'avais pas eu l'intro. Du coup, ok, noté pour plus tard. Si je veux que tu repartes du début, je t'emmène sur YouTube. Non, je sais pas pourquoi ça a crashé, j'en sais rien. J'ai pas. Parce que là, en plus, c'est vraiment OBS qui a crashé, c'est même pas le jeu. Enemy type, c'est vraiment un groupe, ok. Qui sont gros chez eux quand même. Et pourquoi il attaque pas là? Et pourquoi ça attaque pas? Je comprends pas. Ah, c'est qu'il faut appuyer qu'une seule fois, ok, très bien. Alors, pas identifié. Et j'ai pas de scroll pour identifier, très bien. Alors sur Steam, il se fait pas l'ouvrir hein, évidemment au niveau des commentaires. Par contre, les devs ils ont réussi à trouver des commentaires plutôt positifs à poster dans la fiche. Et apparemment, c'est des commentaires qui proviennent de la version tablette en fait, enfin, tablette ou téléphone quoi. En se disant oui, bon bah pour du téléphone, c'est pas si mal quoi. Ok, alors ça c'est quoi son truc de téléportation, j'imagine? Ok, bah donc d'ici je vais pouvoir me téléporter à d'autres endroits parce que donc la carte du monde, on a avec les trois actes. Donc on peut voir les différentes zones hein, des actes. Donc moi je suis là a priori à Meadow.
Et hop, à l'azur. Et je l'ai lu, le triple de skill, parfait pour toi, hein, enfoiré de Taz. Ah, je dois trouver le chaman avant. Ah merde, mais j'avais même pas vu qu'il y avait un chemin qui partait là-bas. Pourquoi les moustiques font des bruits de chien? Je ne sais pas, moi. Je sais pas s'ils sont gourés de pistes quand ils les ont mixés, j'en sais rien. Mais j'ai pas trouvé des... C'est quoi ça? Et... Ah mais d'accord, ça c'est que les armes, ça c'est que les armures. Ok, très bien. Ah, et un truc qui est beau aussi, c'est qu'en fait quand vous équipez, vous entendez, j'ai du boulot à cliquer, ça apparaît pas. Si je ferme et que je rouvre, ah ah, c'est apparu. Donc là c'est pas identifié, ça faut que je sois level 6, ça faut que je sois une witch. Ah oui, deux classes dans le jeu, pardon. Vu que ça a coupé, on l'a pas vu, donc il y a soit le barbare, soit la witch, hein, voilà, il n'y a pas de, y a pas d'autre truc. Ah non, mais ça doit être pour le craft en fait, ça. Ok, blood, small empty rune, poison berry, machin là. Tout ça doit être pour crafter en fait, je pense. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Amulet of life saving. C'est peut-être si jamais je meurs, ça me consomme un truc comme ça pour revenir à la vie. Je sais pas trop. Ok, donc maintenant je suis ici, je suis en grove, ok. Y'a que moi qui trouve ça laid la minimap avec tous les ennemis indiqués dès qu'on rentre dans la zone. Ouh. En tout cas notre perso il y a une voix de méchant très méchant quand même. Ouh. Ah, le peu de machin un peu brillant en fait, c'est des clubs de vie finalement. Alors, pas là, j'ai cru que tu l'as loupé, c'est les moustiques au fum, ça les a, non, apparemment. On a trouvé un pire narrateur qu'un transistor. Je sais pas, j'ai pas joué à transistor. Bastion, j'avais adoré, mais. Yop, le crime! C'est le tout court, c'est. Ouais. Non, ça a l'air d'être vraiment nul. Hein. Alors, je pense pas qu'on ira jusqu'à la fin du jeu. Faut que je sois, pour tous les trucs, faut que je sois level 6 en fait là. Ah, je sais pas ce que c'est Cracknell là. Cracknell, d'accord. Ok. Donc ça apparemment c'est des trucs pour crafter hein, toujours. Ouh.
pas trop ce que c'est les ronds colorés là, enfin sûrement des personnages, j'en sais rien. Oh, et des bottes. Alors des bottes. Putain mais... Ah voilà, alors ça c'est... Ok. Alors ça, comment reconnaître un jeu tout pourri? Eh ben, un Hack'n Slash plutôt médiocre, enfin pas médiocre mais qui a pas beaucoup de moyens, ça va être un Hack'n Slash où vous allez avoir des paliers d'objets. En gros, vous allez avoir des objets au level 1, puis au level 5, puis au level 15, 10, puis au level 15, puis au level 20, et ainsi de suite quoi. Alors ça peut être 5 en 5 ou différent, et c'est exactement ce qui se passe ici, hein, donc avec des objets qui sont au level 1, et après on passe directement au level 6. Alors, donc tous les trucs que je vais looter là, ça va être du level 6, et puis après ça va avoir de nouveau en level 10 ou 11, et ainsi de suite quoi. C'est super chiant ce système. Donc là en gros, tant que je suis pas level 6, bah tout ce que j'ai ramassé va me servir à rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Waouh, le chaman! Petit yeux, gueule de rien dans la main. Esmi, Esmé, non. Esmi, non. La vache, l'histoire elle est magnifique quand même. Wow, quest finish, quest start. Alors, nouvelle quête. C'était quoi les quêtes? C'était ça, hein. Hop là, innocence. Civilizations against me, I must regain their trust, can VC, kill the messengers. C'est quoi ça? Hein? Ouais, c'est pour parler apparemment. Et c'est. Quoi? Et je peux plus cliquer du coup. Ah si. Ah, ça c'est pour arrêter de parler en fait. Ça c'est pour parler, c'est pour arrêter. Ok. T'as le stream reset chez moi, trop de latency, tu as la latency. Oh. Pam pam, pam pam, voilà. Merde. Oh là 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 là. T'as plus gros les boutons, s'il vous plaît, je les ai pas vus. On peut faire un point star, j'ai un panier. Les gens sont morts, faut que je sauve le village, mais le village je crois pas en moi, et il faut que je regagne la... faut que je regagne la confiance du village. Alors que bon, j'ai cru que c'était tous morts, mais ils vont s'en remettre. Je sais pas pourquoi il y a un cadre là. Voilà, c'est bien. Hop, super. Après, je sais pas trop à quel moment je vais pouvoir avoir des parchemins d'identification parce que.
Ah, ou alors, peut-être que je mette des points dans la skill parchemin là. Ah merde, j'aurais dû mettre des points là-dedans. Ah non, de toute façon, faut que je sois level 5, je suis pas encore level 5 là. Et non. Bon, ouais, quand je serai level 5, j'essaierai de mettre des points en parchemin parce que. Tu l'as déjà eu, hein. Ouais, bon, tout à l'heure, il me disait que j'en avais pas. Ah si si je peux. Ah mais si j'en ai même 5. C'est quoi ça? C'est pour la 8 ça. Ah je. Est-ce que vous arrivez à lire ce que c'est ce qui a été identifié? J'ai un peu de mal là. Alors, c'est un. C'est écrit en petit, hein, c'est assez dur à lire quand même. Attends, ouais, donc ça c'est ce que j'ai, ça c'est ce que j'avais avant, hein, on est d'accord. Melee attaque 80. Attends, mais elle est moins bien que ce que j'avais avant. Ah, c'est intelligence 10%, mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'avoir un truc. Ah bah du coup ils ont même pas de nom en fait, c'est juste Unique Spell Club, mais y a pas de. Que ce soit de l'intelligence ou n'importe quoi, on s'en fout, y a pas d'affixe. Un peu derrière sur la table. Gros item unique, bah clairement. Legendary Bandana. Oh, Bandana légendaire. Ah ouais, y a quatre trucs hein, je crois. Il y a 4 niveaux de rareté, il me semble. Legendary pour Mandana. Toujours pour la Witch. Paf! C'est un club avec des spikes uniques, exactement. Ah si, on peut zoomer. Paramido. Waouh, level 5. Chambé. Cloving. Ah, attendez, j'ai dit que je pouvais maintenant mettre un point là-dedans là pour craft des parchemins, ça pourrait être pas mal ça, et ping. Ouais, super. Oh, je m'éclate comme un fou. Yoshikun. Hop, bon, 81, je vais vous laisser. Ok, ça marche, j'ai plus de cristal. Ah, bah, level 5, c'est le endgame, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, c'est vraiment naze. Hein. Et toi, tu m'as dit que t'es pas trouvé ça super naze, Arrest. Celui-là, quand même, c'est zéro, quand même. D'accord.
Ah, t'inquiète pas, Shikudin, tu perds rien, honnêtement. Les soucis, c'est que c'est nul quand même. Bon. Is this blood? What's wrong with this place? Oh oh! C'est une rivière de sang! Y'a rien là? Oui, c'est nul, Shikun. Allez, tout ce village. C'est, je suis arrivé à la ville. Mais je viens vous aider, soyez pas con. Alors, c'est parti chez les marchands. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Je peux lui acheter des trucs. Attends, j'ai pas vraiment envie de lui acheter ça. Hein. Et on peut pas. Comment on fait pour vendre? D'accord, il faut glisser sur le truc rouge. Quoi? Pourquoi j'ai moins de thunes? C'est quoi ces conneries? Ah non, c'est moi qui ai plus de thunes, c'est ça. Ok. Eh, pourquoi j'ai pas mis les glaces, hein? Et voilà, ça en fait, il y a 4 niveaux de rareté, donc il y a les blancs, il y a épique, donc le jaune, il y a légendaire, le orange, il y a un quatrième niveau, bah non, puis il y a le, bah non, et puis il y a le vert en fait. Donc ça, il n'y a rien, unique, épique et légendaire. L'interface pour moi le voyant, ouais, clairement. Le gameplay est pas plus nul que n'importe quel début dans un 15 flash. Ouais, mais y a plein de trucs de pété de partout au niveau de l'interface et tout, c'est quand même dur, quoi. C'est vrai qu'il va pas vite, le pépère. Hein. Ok, c'est un village. Bon, j'ai reparlé à l'autre extérieur là, pour lui dire que c'est bon, je me suis équipé. Salut mec. Ouais, on y va, allez, go.
C'est cool, j'ai des mecs avec moi. Faire Steam World S, c'est vraiment très bon. Alors le S, j'ai pas fait parce que c'est pas le type de jeu qui m'intéresse, mais Steam World Dig, j'ai beaucoup aimé. Ah si, là. Ok. Ouais, donc de la thune, on peut enlever les points de caractère et les points dans l'arbre. Mais il avait eu des bons retours, ouais, Steam World Est. Ouais. Allez, tous à la forêt! Chapel of Buddy. Voilà, ça a été des pics. Level 13? Non, mais sous de ma gueule le jeu. Ah non, mais là, si je commence déjà à looter du matos sur level 13, alors que je suis level 5. Je suis le sound designer. Ah, y'a peu que le sound designer, hein, je te rassure. Oh la vache, comme j'ai mangé là. Yeah, yeah, oh, yeah, oh. Il a pris cher lui. Et voilà, level 6, là on est bien. Oh mais j'ai... Ah mais d'accord, avec ça je peux commencer à crafter des trucs, ok. Ah mais en fait du coup... Non, il faut quand même pas que j'achète les... Attends, tu veux dire qu'en fait là les recettes que j'aurais là, elles seraient des recettes que j'aurais appris ici? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Explorer 9 nature. Oh là là, je vais pouvoir avoir des nouvelles compétences là. Smash Area, Smash the Ground and create a mini earthquake. Oh oh oh. Attention, ça va chier. Attends. Mais non, mais c'est pas. Non mais. Voilà, moi je veux le earthquake, voilà. Tac. Alors c'était pas du tout à ça que je pensais quand j'ai vu Earthquake en fait, mais on fera avec. Ouais, bon, point là, puis on point, puis on point là, allez hop. On me dit qu'il n'y a pas de sound design. Ouais. Je pense qu'un mec qui a chopé une banque de. Une banque de sons et qui s'est dit tiens, ça va être cool.
Attendez, vu que je suis level 6, je peux équiper plein de trucs. Ah, puis ça c'est level 13, ça. 1, 1. Boum. Et voilà. Et voilà, là, on est pas mal, là. Bon, puis là, je pense bah, que jusqu'au level... Bah, déjà, là, la porte, elle est bloquée, hein. Je pense que maintenant, jusqu'au level 13, bah, du coup, on va rien équiper. T'as bien une arme qui a doublé les dégâts, je crois, mais tu l'as vendue. Ah bon? Non, parce que les armes que j'ai vendues, c'était pour la witch. Et non, la seule arme que j'ai vendue, sinon, c'était le cette espèce de pas de clouté là, mais qui faisait moins de dégâts. Ah, je te rassure, Elosia, il est... De toute façon, il était pas... Connexion ou pas, il est très moche. Hein, et encore une fois, bah, c'est un jeu mobile, hein, c'est un jeu développé sur... Voilà, mais il y a beaucoup trop de monde par ici. Il fait plus de protection magique celui-là, mais moins d'armor class. Ouais. Les trucs quand c'est pas identifié, on sait vraiment pas du tout ce que c'est quoi. Y a pas de épique les verres bracelets pour la witch. Dommage. Du coup, si j'imagine qu'il faut que j'aille là-bas maintenant. C'était Magic Attack le 193 qui était similaire. Ouais. Oh bah tu sais les skins en ont pas fait non plus 150. Hein. Hop, Dracan, waouh. Voilà. Voilà, défoncer tout le monde. Oh le Earthquake, je suis tellement déçu. J'imaginais le Earthquake de PoE et bon bah...
Là, à la place du Earthquake de PE est un petit saut tout moisi là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Armor classe 2, Magic Protection 2. Ok. Attends. Bon, il y a un... Bon, bah on va repartir, repartir à la ville. Bah, j'imagine que vu comme on dessine les cartes, hein, y a pas d'aléatoire, hein, tout est fixe. Attendez, la quête, faut que je fasse quoi maintenant? Go to the village, I to reach slaver, et to the village. Ouais, ok, et. Level 7. Wouhou! Et du coup, faut que je reparte là où j'étais, non? Par là, il y a des trucs. Ouais, pourquoi pas, mais je crois pas que ce soit par là qu'il fallait que j'aille en fait. Ouais, non, je crois pas. J'ai tout emmerdé avant, mais en fait, je suis en train de me dire. Des fois, d'être marron, il est marron. Bravo. Bravo, bravo. Alors du coup, attends, c'est quoi ce... Ouais. Ah bah voilà, là il y a une 4. Salut mec.
Voilà, on va. Ah, mais tous les points jaunes, c'est les quêtes en fait. Non, je crois pas. Je crois que pour vendre, t'es obligé de. J'ai pas vu de. Enfin, j'ai essayé tout à l'heure différents trucs pour vendre, mais j'ai rien trouvé, mis à part glisser dans le cadre rouge, quoi. Comment je suis en train de tout nerf pour les compétences de Stingland, je vais pas me faire que les copains pour lui. Bah, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. On s'amuse, et puis après, on a un jeu où les développeurs font tout pour pas qu'on s'amuse. Salaud de développeur. Ouais, tiens, d'ailleurs, pendant que mon personnage avance d'une démarche assurée et vive, donc demain soir, du Drifting Lands. J'ai une revanche à prendre contre le nouveau boss. Mercredi, je serai Diablo 3. Jeudi, donc Drive, Drive, Drive. Et vendredi et samedi, seront Diablo 3, mais bon, c'est pas encore sûr non plus, quoi. Après, dimanche, rien. Et lundi prochain, pour HS Patch, ça sera Sacred 2. Voilà. Comme ça, au moins, on sera sûr d'avoir un bon Hack'n Slash la semaine prochaine. Mais y a des gobelins maintenant? Mais y a pas de gobelins tout à l'heure à cet endroit-là? Il faut des roulades, les gobelins, c'est excellent. Le 3 là. Non, mais j'ai rejoué à PoE, mais après, pour l'instant, je vais faire un petit peu Diablo 3, histoire de marquer le coup du début de la ligue là, et puis. Après, on perçoit Diablo 3, il peut mourir aussi, hein, c'est pas. Quand je vois le nombre de points rouges qui arrivent là, j'ai. Et presque la flemme d'y aller, quoi. Mosquito! Changement de zone. Tac, intéressant un peu. Oh, les marées.
Ah ouais, mais là on voit rien du tout en fait. Ok. J'ai l'impression de taper comme une moule, c'est juste horrible. T'as mes filets mots énormes quoi. Après, ça se peut-être qu'il faut que j'achète des armes en fait, hein, parce que. A priori, le loot a l'air vraiment tout pourri là. On va aller voir pour s'acheter une arme en ville. Ah non, l'arme level 1 c'est juste infâme là, on n'avance pas quoi. Alors j'ai le choix entre ça et 100. J'ai épée à deux, une main ou épée à deux mains, tout simplement. On verra. Je sais pas si c'est une bonne idée de partir sur la demain, mais. Attends, ta ta ta. Ah mince, j'ai pas assez de thunes. Ah, mais ça coûte super cher en fait leur truc là. De la merde, parfait. Non, ça va en fait. Putain, j'ai l'impression qu'il marche encore moins vite qu'avant. Waouh, le super saut! Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas des points à mettre. Ah, si, j'ai encore un point à mettre. Ah, bah, c'est quoi ça? Ouais, on a déjà le fumé. On va plutôt prendre ça, hein, ouais. Allez, hop, faut augmenter la demande. Swamp. Cette structure, elle doit réactiver dans le menu. Le fait de voir la souris à chaque fois, c'est pénible. Ah ouais. Tiens, cet après-midi, à la SGDQ, il y avait une run de Salt and Sanctuary. Les impels, ça vient surtout avec les licornes. C'est clair que les licornes, le pauvre vieux, il pleurait quoi.
Et le jeu a en pas été cool avec lui quoi. Ah, il y avait une run de Salt, ouais. C'est vraiment, je suis pas le seul à entendre l'énorme station générique de Game of Thrones, cette musique. Ouais, je sais pas, non, j'ai pas trop fait attention, mais en même temps, enfin, le jeu est vieux, donc en 2013, il n'était pas encore sorti, Game of Thrones, hein. Même la saison 1, je pense.